Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le Sony Xperia Z2, nouvel appareil mobile de chez Sony. Voilà, ah, vraiment un design super, contraste pas mal. L'écran, tout, la largeur fait 5,2 pouces. Voilà, là, hop, pour montrer, à peu près. 1,2 pouces, il a un processeur. Quad-core 2,3 GHz, il y a de quoi faire, c'est plus ça. Là je vais vous montrer, hop, là on le branche avec la carte SIM. Alors pas évident à mettre par contre, je vous le dis. Bon, là il faut bien le remettre parce qu'il est étanche cet appareil, ce qui est bien, et aussi il prend pas la poussière, ça qui est génial. Par contre il est très salissant avec les doigts, enfin derrière surtout. Bon, si vous avez un étui, une housse comme ça, il n'y aura pas de problème. Là c'est pour mettre la carte SIM. Voilà, hop, on va montrer de suite l'appareil. Hop. Alors, côté design, elle est super. La résolution photo, c'est 20 mégapixels, 20,7 mégapixels, comme j'avais dit. Hop, alors le gros point fort de cet appareil, c'est qu'il fait 4K. Ça c'est vraiment très impressionnant pour filmer en 4K. Voilà, par contre ça prend beaucoup en mémoire là, le téléphone, je vous le dis direct, c'est bien mais ça prend beaucoup de mémoire, c'est un peu normal. Alors là il y a pas mal d'autres applications que vous pouvez mettre pour les photos, pour filmer. Bon, il y a celui-là qui est connu pour ceux qui connaissent, avec le dinosaure. On le voit. Voilà, c'est pour vous montrer. Hop. Côté vidéo, je vais vous montrer aussi la qualité. Je vais baisser le son parce que le son est assez puissant. Le son. Côté son, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le top. C'est un des meilleurs appareils que j'ai jamais vu. Portable. Côté son. Ah, c'était la fin de la vidéo. Je vais la remettre. Là, ça donne vraiment bien aussi. J'essaie de vous montrer mieux. Tes vidéos aussi, ça donne, c'est vraiment super. L'écran est vraiment parfait pour eux. Voilà, c'est pour le montrer. Hop, là, alors on va aller. Bon, les menus, c'est toujours pareil. Voilà, pareil. Hop, côté album. Voilà. Comme je vous disais, le son est pas mal. On va lancer. Hop, pour dire que le son est super. Et côté nouveauté, avec ça, hop. Voilà, il y a les applications qui vont avec. Ça, c'est assez banal. Qui marche très bien, par contre ça répond très vite. Je sais pas si vous le voyez bien quand je le fais. Là je vais vous montrer les particularités des options qu'il y a. Par contre, pensez à faire ça, je vais vous montrer dans, non pas dans le stockage, dans, où c'est que c'est, j'avais vu ça, gestion d'alimentation. Voilà, pensez à mettre ça. Hop, le mode Starmina qui sert à que ça tire moins. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre à l'appareil? Hop, bon, on a fait assez le tour. On a fait le tour quand même de l'appareil. Pour vous dire que c'est un super appareil quand même, franchement, il n'y a rien à dire. Je vais voir s'il y a des mises à jour à mettre en même temps. Non, j'ai tout mis. Je vais mettre un petit jeu pour vous montrer.
Voilà, c'est un petit jeu. Voilà, tant que ça charge. La prise en main, elle est super. Comme il est assez large. C'est vraiment le top. Alors là, la résolution d'écran, c'est du 1920 sur 1080 pixels. Pour montrer ça marche. Voilà, c'est pour vous montrer vite fait. Hop. Voilà, et maintenant je vais vous montrer la boîte qui allait avec, ce qu'il y avait à l'intérieur. Hop, poser. Par contre, je peux vous montrer la housse que j'ai acheté avec, qui est vraiment sympa. Tout. Hop, je vais vous montrer. Juste comme ça, il faut compter 20 € par là. Bon, c'est pas trop excessif, ça va. Hop. C'est toujours aussi chiant de mettre un téléphone dans ses housses. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette housse? Parce que l'avantage qu'il y a, c'est que quand on va regarder l'écran, on va regarder quelque chose, vous pouvez le poser comme ça. Hop. Vous voyez? Comme ça. Poser l'écran comme ça. Hop, je vais le poser là en attendant. Alors, je vais montrer sur la boîte en même temps. Voilà ce qu'il y a. Est-ce qu'il est pas mal dans la boîte? Bon, il y a toujours les branchements, ça c'est normal. Pour mettre le courant, hop, avec ce qu'il faut, la prise. Là, la boîte, ce qu'il y a, c'est le casque qui va avec. Le casque, il est anti-filtrage de le bruit. Ça c'est vraiment pas mal. Et en plus, il donne super bien. Voilà, je vous montre. Hop, je l'ai testé. C'est vraiment tip-top, rien à dire. Vraiment pas mal. Anti-filtrage et très beau, très bonne qualité. Voilà. Après, il y avait d'autres morceaux pour ajouter. Voilà. Des caches en plus. Après, il y a un petit bouquin qui vont avec tout. Hop, je vais enlever. Je vais vous montrer les autres appareils en couleur qu'il y a aussi derrière la boîte. Voilà. Les trois couleurs qu'il y a. Téléphone. Et là, c'est la boîte pour la housse. Voilà. Je mettrai le nom avec si ça vous intéresse. Voilà, c'était pour vous montrer le Sony Xperia Z2. Voilà. Pour vous dire que c'est de la bombe. Quoi, pareil. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait un bug. Ah, voilà. Pour vous dire qu'il marche super bien, que c'est un très bon téléphone. Rien à dire. Voilà, c'était pour vous le montrer, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'en suis très très content parce que j'étais avec beaucoup avec Samsung et là je trouve qu'il est même supérieur au Samsung. Voilà, c'était pour vous le montrer et j'espère que ça vous aura plu. Allez, je vous dis à plus. Ciao!